Yo les barons, juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que j'ai reçu plein de notifs sur Instagram, sur Twitter, etc. Dans mes commentaires de vidéos, même dans mes commentaires de vidéos, qui me disent ouais Lune, on te voit à la télé, etc. On t'a vu à côté de Bad French, etc. On te voit à la télé. Donc, je vais vous mettre le petit extrait et vous devez me trouver dans les commentaires. Voilà, vous me trouvez et vous me dites ça combien qu'on me voit dans la vidéo. Voilà, vous trouvez dans les commentaires. Je vous invite à trouver. On va faire un petit où est Charlie. On me voit sans mon masque. Donc voilà, je vous invite. À voir, donc l'extrait je vous le mets tout de suite et après ça sera la vidéo entière. Donc voilà, je vous mets l'extrait parce que franchement c'était pas du tout prévu en fait qu'il se passe ça. J'ai reçu plein de notifs, je suis en train de faire mon montage. Du coup je me suis dit bon bah ok, on va faire un petit tweet Charlie. Je me suis dit allez, pourquoi pas, ça fait plaisir. Donc voilà, je vous mets l'extrait et ensuite après l'extrait il y aura toute la vidéo avec les ultras etc. Donc voilà, bonne vidéo à vous. Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va aller au Parc des Princes. Donc grosse grosse vidéo. Et aujourd'hui je suis pas seul, je suis accompagné de deux personnes. Déjà nous sommes avec Bonsoir. Voilà. Et derrière nous sommes avec un ami à moi. Je suis là. On va l'appeler Ad. Voilà. Voilà, merci. On le remercie parce que. C'est moi qui te remercie, c'est Oui, moi. pardon, je te remets. Parce que bon, c'est une surprise pour lui, voilà, je vais. Bon, une surprise qu'il a pas su se garder parce que son frère a balance. Mais voilà, aujourd'hui, comme vous le savez. On est mercredi, enfin, on était mercredi puisque vous avez la vidéo un peu plus tard. C'était le match du PSG. Bon, vous connaissez le score. Là, actuellement, où je vous parle, bah, c'était après le match. Du coup, victoire du PSG. Voilà, je vous spoil. La vidéo est juste magnifique. Voilà, j'essaie de vous donner les meilleurs moments avec les ultras. En tout cas, je remercie OneFootball d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que c'est grâce à eux qu'on a pu aller voir le match. Merci à eux, franchement, parce que les billets étaient comme assez chers. PSG Liverpool. Bon, je vous donne à peu près. C'est à peu près 200 balles, un billet. Donc c'est quand même cher, plus le train, etc. Enfin bon, voilà. Pour ceux qui connaissent pas OneFootball, les gars, c'est la première application de foot mondiale. Et franchement, je la suis quotidiennement. Justement, parce que, bon, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, PSG Neymar, ils étaient blessés. Et moi, j'étais tous les jours sur l'application pour voir les articles. Est-ce qu'ils vont jouer ou ils vont pas jouer? Finalement, ils ont joué. Donc ça fait plaisir. Donc je vous présente l'application tout de suite. Donc voilà, on se retrouve maintenant dans l'application. Et. Vous avez été 51% et j'étais dans les 51% à avoir voté pour le PSG. Donc on a prédit la victoire du PSG 2-1. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas l'application, vous pouvez suivre l'équipe de votre choix ou plusieurs équipes ou des compétitions, etc. Donc moi par exemple, on va dans mes abonnements, hop, on voit quoi? On voit que je suis la Ligue 1, la Coupe de la Ligue, je suis Neymar, Champions League, Coupe du Monde, etc. Bon, ça c'était à l'époque. Et voilà, donc par exemple, moi je suis le Paris Saint-Germain. Ça s'affiche tout en haut ici, voilà. Ici, vous avez le Paris Saint-Germain. Et on a du coup tous les articles sur le Paris Saint-Germain, toutes les actualités, l'équipe du Paris Saint-Germain, tout sur le vraiment Paris Saint-Germain. Après, bon, si vous êtes fan de l'OL, chacun est fan de son club, fan de l'OL, je sais pas, de Lyon, de Liverpool, vous pouvez être fan de plein de clubs. Vous suivez vraiment votre équipe et regardez, par exemple, je vais vous montrer. Donc voilà, j'en suis enfin arrivé à l'article que je vous avais parlé tout à l'heure. Donc regardez Mbappé et Neymar bien titulaires. Donc voilà, vous avez. Du coup, toutes les informations, donc là par exemple on est sur le Parisien, voilà, vous avez vraiment tout sur le PSG, vous pouvez suivre tous les matchs de toutes les compétitions du monde, donc moi je suis uniquement la Ligue 1, je suis mes abonnements, après si vous voulez suivre tous les matchs, vous allez dans tous les matchs, et là vous avez tous les matchs, donc là par exemple, vous avez la Serie A, Clausura, je sais pas c'est quel pays, en tout cas voilà, c'est vraiment tous les pays, en tout cas voilà, merci à OneFootball, et on se retrouve pour la vidéo que vous attendez tous, PSG Liverpool. D'accord? Je veux savoir, est-ce que t'as pris ton ticket? Moi je l'ai pris, tu vois, je l'ai indiqué au cas où il me rendors. Je me contrôle, il voit que le ticket est là, ça bouge pas. Délection, la délection, comme on dit. Ça va toi, ça se passe? Ça se passe? Tranquille. Donc là, c'est une surprise pour lui, hein. C'est une surprise pour toi. J'espère que ça te fait plaisir. Voilà, on est dans le train. On est dans le train, tellement. Voilà. Délection, la délection, comme on dit. Donc voilà les gars, on vient d'arriver à la gare de l'Est. On est actuellement 9h avant le match, je vais vous montrer. Donc on est sur l'application OneFootball. Merci encore une fois à eux. Donc ce soir, bon j'ai même pas voté encore. Bon, qui sera l'issue de ce match? Paris. Ouh, c'est serré. On a 49% Paris, 7% pour le match nul et 44% Liverpool. Autant dire que ce soir ça va être un match de ouf. Est-ce que t'es content déjà? Ah, je suis heureux. Voilà, donc c'est une surprise aussi pour mon pote à moi.
fait là et du coup je fais la surprise. Bon, ma tante au courant, je pense. Hein. Ah, c'est... Merci beaucoup. Bon, son frère a boucan. De base, c'était une surprise, mais son frère est la boucan. Du coup, on n'a pas pu tenir la surprise longtemps. En tout cas, voilà, ce soir, 9h, nous on va aller aux Champs-Élysées. On va voir ce qu'on va faire ça aujourd'hui. Et c'est parti. Donc là, on est au resto. Comme vous savez, quand on va à Paris, c'est toujours ceux qui connaissent, hein, ça passe, c'est chinois. Ah oui, ouais, les belles. Hein. Donc toi, du coup. J'ai un croc, c'est ça. Vas-y. Donc là, il y a le riz aussi. Ah ouais, on est bien là. Là, je pense qu'on va bien. On va passer une bonne journée. Hein. 13h30 actuellement. C'est parti. On est actuellement à 2h avant le match. Regardez, 2h avant le match. On va y aller parce qu'on a du retard. Donc là, plutôt. J'ai mis le nouveau pour ceux qui se souviennent. Je l'ai acheté dans Instagram Contrôle ma vie. Voilà, là, on me voit. Voilà. 2h avant le match. Pronostic, je sais pas. Franchement, je dis 3-1 pour Paris. Même si c'est chaud, parce que Liverpool, ils ont quand même une bonne, très très bonne défense. Mais je vois bien une victoire de Paris Saint-Germain. On saura ce soir, voilà. On saura si j'ai raison ou pas. 3-1 pour Paris. On verra bien. En tout cas, nous, on est arrivés dans l'appartement tranquillement. En tout cas, voilà, on se retrouve tout de suite. Let's go. Deuxième but parisien, très lourdiste, ainsi va s'en faire.
Neymar. Merci Vincent Santos Junior. Neymar. Merci Vincent Santos Junior. Let's go!